Salut tout le monde et bienvenue, bienvenue ici à Alger, plus précisément en Algérie, pour assister à cette Coupe du Maghreb qui oppose l'équipe nationale de l'Algérie à l'équipe celle de la Mauritanie. Oui, donc l'atmosphère est quasiment mais surélectrique parce que là, franchement, on assiste vraiment à un petit peu à un derby 100% nord-africain. Et c'est parti, mais pour l'instant, là, ce sont les Algériens qui ont le ballon. Et là, ils commencent déjà à passer directement à l'attaque. Alors, l'équipe de la nationale de l'Algérie joue en rouge et blanc face à eux, l'équipe nationale de la Mauritanie qui joue en vert et jaune. Et là, pour l'instant, pour le moment. Bon, là pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais bon, ce n'est que le début du match. Donc, c'est parti. Bon, le ballon est pour les Mauritaniens. Et c'est reparti. Et là, le ballon est de nouveau pour les Algériens. Soit dit, attention, attention, parce que il passe. Ça va-t-il? Ah, dommage! Ça passe juste à côté. Ah, quel dommage! C'était vraiment ce qu'on peut appeler une belle tentative. Allez, c'est reparti. Le ballon est de nouveau pour les Algériens, soit dit. Saou, attention, non, ça passe juste à côté. Ah, oh, quel dommage. Mais c'est pas grave. Ça va passer, ça va y arriver, ça va y arriver. Hein. Ce n'est que le début du match. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup des buts, ne vous inquiétez pas, il y en aura. Allez, c'est reparti. Le ballon est de nouveau pour les Algériens qui passent quasiment à l'action. Attention, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Non. Ah, c'est manqué. Et là, les Mauritaniens qui se font mais complètement mais chahuter. Allez, c'est reparti. Daou. Mali. Attention, parce que là, le ballon est de nouveau pour les Algériens. Attention, c'est reparti. Est-ce que ça va pas il va passer? Oui, et but! Et ouverture du score des Fenech. But signé Saïd. Et ce qui fait au total de 1-0 donc pour les Fenech. Allez. C'est la reprise. Le ballon est de nouveau pour les Mauritaniens, mais qui le perdent. Et c'est pas fini parce que là, le ballon est de nouveau pour les Algériens. La mouchie, attention, attention, parce que là, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Ah, dommage, ah, dommage, 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 dommage. Allez, le ballon est pour les Mauritaniens. Alors, repris par une nouvelle fois par les Algériens. Attention, Saïd, l'auteur du premier but. Allez, c'est reparti. Le ballon est de nouveau pour les Mauritaniens. Mali. Et joli arrêt du gardien qui ne trompera personne. Mais bon. Et c'est reparti. Attention parce que là il y a une mauvaise relance du côté mauritanien. Attention, est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer. Et c'est le deuxième but. Deuxième but pour l'Algérie. Ce qui fait au total de 2 à 0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Alors qu'on s'approche déjà de la fin de cette première mi-temps de ce match. Et c'est reparti parce que là pour l'instant, là ce sont les Mauritaniens qui ont le ballon. Et de nouveau repris par les Algériens. Allez, Saïd, attention. Va-t-il passer? Non, dommage, c'est pas fait. Ah, quelle pas mal chance. Attends, deuxième tentative. Ah, tentative ratée. Attention, parce que là pour l'instant, c'est de nouveau les Algériens qui ont le ballon. Saïd, attention, il passe. Oh, déviation, c'est pas fini! Et c'est le but! Et c'est le coup du chapeau pour ce joueur, Saïd. Et ce qui fait au total de 3 à 0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Alors qu'on s'approche déjà de la fin de cette première mi-temps. Et bien justement, c'est justement la fin donc de cette première mi-temps de ce match. Bah une première mi-temps, bah ma foi, bon, assez rapide, mais bon, ça va, c'est franchement, question ce spectacle, on demande pas mieux, hein. Voilà, donc, je propose qu'on se sépare un petit moment pour une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Alger, à vous Paris. Bobo, la pompe man anti-douleur et blessure.
Nous sommes de retour ici à Alger pour assister à la deuxième mi-temps de ce match qui comprend la Coupe du Maghreb qui oppose l'Algérie à l'équipe de la Mauritanie. Et pour l'instant, c'est l'Algérie qui mène au score 3 à 0 face à une équipe mauritanienne qui est un petit peu brouillant, mais c'est bon. Espérons que nous voudrons un meilleur jeu de leur part. Voilà, pour l'instant, ce sont les Algériens qui sont toujours à l'attaque. Parce que là, il y a Saïd. Est-ce que ça va passer? Oui, c'est le but! Signé cette fois-ci par Hamdani, j'ai cru que c'était Saïd, mais c'était en fait Hamdani, autant pour moi. Et ce qui fait au total de 4 à 0 pour l'Algérie. Allez, on continue. Le ballon est de nouveau pour les Algériens. Attention, Hamadi, attendez, est-ce que ça va passer? Oui, ça passe! Et un nouveau but pour Saïd, l'auteur des trois buts lors de la première mi-temps. Et alors qu'il y a eu un léger cafouillage du côté de la défense, du côté de la défense mauritanienne qui a fait beaucoup d'erreurs. Et ce qui fait au total de 5 à 1 pour l'Algérie. Ah, c'est vraiment un match spectaculaire. Hein. Bon, c'est pas le plus fameux, mais au moins il y a du spectacle. Attention! Et attention, parce que là pour l'instant, les Mauritaniens sont en train de se réveiller. Attention! Et le ballon est de nouveau pour les Mauritaniens. Repris par les Algériens. La Mouchi. Joli arrêt du gardien. Aboubakar. Mali. Arambi. Et le ballon est de nouveau repris par les Algériens. Hamdani. Hamdari. Lamouchi. Et le ballon est repris par les Mauritaniens. Oui, pour l'instant, les Algériens gèrent bien. Ils font du bon. Bref, très bon travail du côté de la défense algérienne qui récupère le ballon. Pour l'instant, rien ne change. Toujours 5 à 0 pour l'Algérie face à la Mauritanie. Allez, oui, ballon repris par les Algériens. Oh, ils sont fougueux. Oh, ils sont fougueux. Ils sont fougueux. Et c'est pas fini. Attention, parce que là, il n'y a pas hors-jeu. Va-t-il passer? Non, dommage, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, 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 dommage, dommage, dommage. Ah, c'est assez dommage, c'est dommage. Franchement, j'y ai cru. Et le ballon est de nouveau pour les Algériens. Ballon repris par les Mauritaniens. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Est-ce qu'il va passer? Bakar. Attention, oui, but! Et cette fois-ci, c'était un but des Mauritaniens. But signé Tiemoko, si j'ai bien noté son nom. Donc, ce qui fait au total de 5 à 1. Pour l'Algérie, je savais que les Mauritaniens arriveraient à se réveiller. Et non, ça ne suffira pas. Toujours 5-1 pour l'Algérie. Pour l'instant, domine clairement les débats. Allez, c'est reparti, voilà. Ballon repris par les Mauritaniens. Tiemeko. Ouais. Le nouveau vidéo repris par les Algériens, Saïd. Saïd, Hamdari. Hamdari, est-ce que. Non, dommage, ça passe juste à côté. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré voir un sixième but de la part des Algériens, mais bon. C'est manqué, mais c'est pas grave. Alors qu'on entre directement à la fin de ce match et de cette deuxième mi-temps. Saïd du côté algérien. Et c'est justement la fin donc de ce match. Et bien victoire, victoire donc de l'équipe nationale d'Algérie qui remporte cette Coupe du Maghreb face à l'équipe de la Mauritanie. Et bien GG à eux parce que franchement ils méritaient vraiment la victoire. Voilà donc mesdames et messieurs, c'est donc à la fin donc de ce match. Donc je vous rappelle le score. Victoire donc de l'équipe nationale d'Algérie sur la Mauritanie 5 à 1 et qui remporte donc la Coupe du Maghreb. De cette édition 2021. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, bah salut et rendez-vous pour de prochains matchs. Ici, Alger. Oh et putain, j'y pense, j'aimerais.